Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens de recevoir un colis qui me vient de la part de Nelly du 51. Donc je suis accompagnée de Margot. On va ouvrir le colis. Donc il est un petit peu abîmé sur le dessus. Donc j'espère qu'il n'y a rien de cassé à l'intérieur. Donc on va ouvrir ça tout de suite en images. C'est parti. Donc, je vais peut-être faire pause pour l'ouvrir ou je vais l'ouvrir comme ça. Attends, attends, attends. Attends. Ah ouais. Hop. Elle voulait faire le bruit de la moto. Ah, hop, je vais l'ouvrir. On y va. Donc, je ne sais même pas si j'avais été prévenue qu'elle avait envoyé un colis. Je n'en sais rien. Ah là là. Attends. Hop. 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 Oh là là, oh là là, il y a des belles choses. Donc on y va et je vois quelque chose de merde. Oh là 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 là, c'est pour toi. Oui, c'est pour toi. Oh, on est dans le noir. Coucou. Attends. Attends, attends, attends. Donc, j'ai reçu une Lodide. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. C'est trop trop beau. Donc, elle a fait une Lodide. Je vais essayer de tout remettre parce que du coup, ça s'était sauvé. Elle a fait une Lodide enveloppe, comme je vous avais fait en tuto. Et elle m'a mis son petit mot derrière. Donc, on y va, c'est parti. Il y a la petite carte ici, très jolie, avec des libellules, avec une petite fleur. C'est joli, hein? C'est joli, c'est joli. Là, j'ai mon petit mot. Donc, du coup, je vais lire. On va s'ouvrir. Ah, d'accord, tu avais participé pour Maëlle. Je suis plus crochet et broderie. Moi aussi, j'adore. J'espère que. Oh, un gros bisou. Je suis sur le mail. Ah d'accord, bah oui, bah c'est ça. Donc j'avais été prévenue que tu m'avais envoyé un petit colis, mais je n'avais pas saisi avec le nom de l'envoi et le nom du mail. Ici, elle a fait une petite ATC pour Princesse Margot. Que la vie t'apporte beaucoup de joie et d'amour avec tes parents, Nelly. Avec une petite princesse. Très jolie. Alors ensuite, du coup, on a la Lodide qui est comme ça. C'est vraiment trop beau. Donc, elle a fait des petites robes comme ceci, en crochet. Trop, trop belle. Je vais même ouvrir parce que c'est tellement beau. Hop, on va montrer les petites robes. Je vais éviter de me tourner parce que dès que je me tourne comme ça fait noir sur l'écran. Hop. Trop beau, donnez-moi ça. Des petites robes comme ça en crochet. Elles sont juste trop belles, trop trop belles. Hop, voilà. Ensuite, on a une autre pochette. Oh, c'est beau, mais c'est beau avec des petits bonnets. C'est trop beau. Des petits ronds, des petites fleurs. C'est magnifique. Ici. Ici, elle a fait un petit chapeau. Je vais ouvrir parce que c'est tellement beau. Hop, on ouvre à Margot. Dès que je me tourne, clac, plus de lumière. Elle a fait un petit chapeau comme ça en crochet. Hop, voilà. Elle a fait des petites brassières comme ça. Très jolie. Le petit bonnet ici, on dirait même un petit sac. Oui, je dirais plutôt un petit sac. C'est trop beau. C'est trop trop chou. Et là, la petite fleur en crochet. Elle est très très belle. Et là, pareil, avec des petites, une petite robe, un petit haut, une petite fleur. C'est trop joli. Et elle a fermé avec des fleurs. Vous voyez comme quoi on peut faire aussi de très belles choses. Avec les pochettes. Et là, à l'intérieur,
Elle en a fait dans les tons verts, comme ceci. Franchement, les créations en crochet sont magnifiques. Tout est fin, tout est... On voit vraiment bien tous les petits détails, vous voyez? Les petits points comme ça. Elle est verte, hein, mais là, elle rend bleu, je ne sais pas, à l'écran. C'est juste trop beau. Ah vous? Tu as vu, Margot? Ouais. C'est joli, hein? T'aimes bien? Ouais. Attends, mais c'est pas fini, parce qu'à mon avis, ce que tu vas voir dans l'enveloppe, donc la Lodite se présente comme ça, une fois terminée, avec la pochette. Voilà. Très jolie. Franchement, elle est très bien faite. C'est parfait. Franchement, nickel. Donc ça, je vais les mettre dans mes boîtes de tout ce qui est création en crochet. Franchement, trop beau. Même le chapeau, hein. Vous voyez, hein, tous les petits détails, toutes les alvéoles qu'on voit. On regarde le chapeau. Il est joli, hein. Oui. Il est magnifique. Donc, hop. Donc, je te remercie beaucoup, Nelly. Et là, du coup, on va passer à l'envoi au plus gros du travail. C'est un truc de malade. Ah, il y avait une petite pochette aussi comme ceci, avec un petit papillon. Très jolie pochette. Alors, je sais pas. Peut-être que je pense qu'il y avait ton ATC, du coup, dedans. Elle s'est peut-être fait la malle. Tu me diras, Nelly. Mais je pense qu'il y avait, du coup, l'ATC dedans. Je pense. Voilà. Et là, si vous regardez bien, je crois que c'est juste magnifique. Je suis une... Comment dire, une friante de ces choses-là. Christine avait fait une couverture à Margot que j'avais pris à la clinique avec moi quand elle est née. Hein. Sa couverture avait fait fureur au niveau de toutes les infirmières, les aides-soignantes, tout ce qui était femme de chambre pour le nettoyage, tout ça du matin. Elle bloquait à chaque fois sur la couverture. Et je trouve ça juste magnifique de me dire tout le travail qu'il a accompli. Enfin bref, j'arrête de parler. Et là... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le travail de malade. Alors là, vous avez de ce côté-là. Hein. Regardez-moi ça. Tous les petits détails comme ça. Et là, vous allez voir de ce côté. C'est juste trop beau. C'est juste trop beau. Regardez-moi ça. Toutes les petites qu'elle a rassemblées entre elles. Franchement... J'hallucine. Vous ne vous rendez pas compte du travail. Une par une, après, elle les a assemblées. Travail de malade. Oh. Mais ça, quand je vais lui mettre sur son lit pour bien lui tenir chaud, même à ses pieds, je veux dire, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Oui, forcément, ça va lui servir. C'est juste magnifique le travail que tu fais. Moi, je sais pas faire ça. Toutes des petites rosaces comme ça, moi, je sais pas. Je sais pas. J'ai déjà, c'est ce que je disais la dernière fois, je m'étais tellement abonnée à tellement de chaînes que je ne regardais pas, qu'à chaque fois je me disais je garde de côté pour pouvoir essayer un jour d'en faire. Je me suis désabonnée parce que je sais très bien que là j'ai pas le temps. Et puis, le crochet, j'ai déjà essayé plusieurs fois et c'est une catastrophe. Pourtant, je tricote, hein, mais ouais. Franchement, bravo. Bravo, Nelly, pour ta création. C'est juste magnifique. Regardez-moi ça. J'hallucine. Le travail de malade. Et elle m'a mis... la laine qu'elle avait utilisée, donc c'est celle de chez Action. Je pense que j'en ai encore une pelote comme ça, en blanc. J'avais fait la brassière à Margot, comme ça, en blanc, blanc cassé. Et avec le rose là qui ressort, franchement... Donc elle fait quand même un
10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 sur 60, puisque ça fait un carré, hein. C'est trop beau. Donc, ouais, ça, mettre cet hiver au bout de son lit pour lui tenir bien chaud à ses pieds. Enfin, pas l'hiver là, parce qu'elle aura que un an, hein. Donc, on évite toutes les couvertures, tout ça. Là, c'est encore sa gigoteuse. Mais l'année prochaine, quand elle ira dans son grand lit, ouais, franchement, hein, Margot, t'aimes bien? C'est joli? Regarde. La laisse regarder la couverture, hein, monsieur. C'est pas pour moi, c'est pour elle. T'aimes bien, Margot? Ah, tu dis plus rien, hein. T'es scotché, hein. T'aimes bien? Oui. Bon, bah ça va alors, elle aime bien. C'est pour toi. Franchement, merci Nelly pour toutes ces jolies créations que tu as pris le temps. Là, j'ose même pas imaginer les heures de travail qu'il y a sur cette couverture. Et les filles, du coup, n'hésitez pas à marquer en commentaire bah, bravo à Nelly, parce que franchement, tout des petites choses comme ça, c'est trop joli. La patience de malade. Parce que ça, il faut vraiment avoir des bons yeux pour faire tous ces petits détails. Le petit bonnet aussi, je vais vous montrer du coup celui-là. Et puis on va s'arrêter là. Ouais. Je vais mettre tous les petits papiers pour le tirage au sort parce que Maëlle vient cet après-midi. Donc du coup. Oh, c'est trop beau. Donnez-moi ça, le petit. C'est magnifique. C'est magnifique. Je ne sais pas où. Donnez-moi ça. C'est un landau. J'avais même pas vu. Ça fait un landau pour une couverture d'album. C'est trop choupignou. Avec la petite fleur, pareil. On pourrait même dire le petit sac à langer avec le petit landau. C'est magnifique. Franchement, merci Nelly. Bon, ça va faire au moins 10 fois que je le répète, mais c'est pas grave. Merci, merci, merci pour toutes tes jolies créations que tu as envoyées. Tout est très fin, très bien travaillé. Merci encore une fois d'avoir gâté Margot. Je pense que depuis qu'elle est née, c'est hallucinant toutes les belles choses que j'ai reçues pour Margot. Je m'attendais vraiment pas à ça dans toute ma boîte aux lettres, autant d'amour des copines. Donc franchement, j'en profite aussi du coup de dire merci à toutes les filles qui m'ont envoyé des choses pour Margot. Franchement, merci. Donc sur ce, on vous laisse. On leur fait des gros bisous, Margot. On fait des bisous. On fait au revoir. Elle fait ça avec sa main, mais vous la voyez pas. On dit au revoir aux filles. À bientôt. À bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, moi, oui. Moi, oui. Enfin, voilà. On peut pas dire en vidéo ce qu'on ressent réellement, hein, mais je peux vous dire que l'émotion est là. Donc, merci beaucoup. Et puis, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous.